Et c'est un monsieur qui a beaucoup participé dans plusieurs crimes, que ce soit ici à Goma, que ce soit à l'intérieur de la province. Nous avons aussi deux sujets d'un pays voisin qui n'ont pas autre boulot que de quitter leur pays et venir voler dans la ville de Goma. Ils sont nombre de deux. Il y a les voleurs à main armée qu'on va présenter encore aujourd'hui et des associations d'autres qui sont reprochées pour association de malfaiteurs. Commandant, je ne sais pas si vous êtes prêts. Merci pour la parole, mon conseil, monsieur l'adjoint chargé de la police administrative. P6. Pour la journée d'aujourd'hui, nous avons 7 cas à présenter à la population de Goma, en particulier de la province du Nord Kivu en général, à travers la presse. Le premier cas, c'est un cas d'évasion de la prison de Kangwayi de Beni en date du 11 juin 2017, récupéré à Majengo. Auteur, M. Paluku Boucho Adela, alias Deo. C'est lui qui est devant vous ici. Le monsieur est arrivé à Goma, il a mis au moins 7 jours. Il a fallu qu'on puisse avoir des coups de fil de partout pour qu'on voie comment les récupérer. C'est un criminel de grand chemin, évadé de Beni. Il nous a révélé certaines choses qui prouvent à suffisance qu'il y a certains évadés aussi qui errent en ville de Goma. Alors nous sommes en train un peu de mener des investigations pour mettre main à ces évadés. Par rapport au deuxième cas, c'est un cas de vol à main armée constaté à Ndosho, commune Yekarisimbi, le 26 juin 2007, à 1h du matin. Auteur, M. Aruna, qui est devant nous, Aruna Paulin Bahati. La victime, c'est M. Mogisho Masumbo Pekonso. C'est la population qui l'a maîtrisé, l'a amené au niveau de la police. Le troisième cas, c'est un cas d'association de malfaiteurs constaté au quartier Ndosio, à Nyabushongo et Mugunga. Auteur Aimé Waiko et Dukumbe Célestin. Victime, Mouindo Asifiwe et Bahati Baraka. Pour le premier monsieur ici, Aimé Waiko, c'est un récidiviste. Nous l'avons arrêté plusieurs fois et transféré aux juridictions compétentes. C'est un monsieur qui fait peur à la population. Et chaque fois qu'il est relaxé, il continue toujours à troubler la quiétude de la population, à stocker la petite population. Alors nous avons mis la main sur ce monsieur et nous allons les déférer à qui des droits. Par rapport au quatrième cas, c'est un cas de vol qualifié constaté au quartier Ndosho et Imbi à Goma.
Les deux ici, ils viennent d'un pays voisin. Il s'agit de Ngiri, Tutipio, Omari, et toi Girazé, Yezu Martin. C'est déjà un genre opère à travers des véhicules qui prennent la location ici à Goma. La population les a maîtrisés au niveau de Imbi. C'est juste quand ils stockaient un monsieur dans un magasin. Malheureusement, ce jour-là n'était pas son jour.